Voilà, et comme il se doit, nous allons célébrer cette semaine la Chandeleur. J'en suis tout retourné. Karine, vous nous avez concocté donc un menu 100% crêpes. Oui. Avec que des crêpes. Que des crêpes, vraiment. Voilà. Ben oui, vraiment. On a commencé jeudi avec des crêpes dentelles. Alors celles-ci, bien sûr, vous ne mettez pas de la confiture. Ah ben non, ça dégouline. Voilà. Elles étaient très, très, très ajourées, oui. Puisqu'on a fait des dessins avec à l'aide d'une pipette. Hier, je vous ai présenté des brochettes de crêpes. Donc là, on était plus sur une pâte à crêpes à base de bière, donc plutôt salée. Et aujourd'hui, bouquet final, puisque je vous propose cette recette extrêmement colorée que vous voyez sur votre écran. C'est vrai que les goûts et les couleurs, ça va bien ensemble, ça ne se discute pas. Oui, c'est surtout vrai. Surtout quand on a la bouche pleine. Absolument. Alors là, on a utilisé des colorants pour colorer la pâte à crêpes. Vous allez me dire, les colorants alimentaires, ce n'est pas bon. Vous avez raison. Voilà. Mais on les utilise vraiment de façon extrêmement ponctuelle. Une fois n'est pas coutume. Exactement. C'est la Chandeleur, c'est la fête, ça fait plaisir aux enfants. Vous les trouvez au rayon des aides pâtissières, voilà. Si vous faites vraiment attention, c'est-à-dire que si vous ne prenez même pas un sirop de menthe vert, oui. Si vous le prenez transparent, parce qu'il y en a de partout, des colorants dans les charcuteries. On trouve du bio, on en trouve des en poudre, on en trouve des en gel. Donc si vous n'habitez pas de grande ville, vous pouvez bien sûr commander tout ça sur Internet. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va mettre de la couleur dans la pâte à crêpes. Voici une troisième manière de préparer la pâte à crêpes. On est parti pour un bouquet de crêpes coloré. Vous avez besoin de farine, des œufs, du lait, du beurre fondu, du sucre vanillé, du colorant alimentaire. Donc, une heure pour la préparation, parce qu'il faut quand même le temps, vous allez voir, de diviser la pâte, de mettre les couleurs, etc., de les cuire. Donc, on est parti. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on commence d'abord par les poudres, les... Voilà, c'est ça. Exactement. Tout ce qui est poudre et puis ce qui est liquide. Mmh. Jeudi, on a battu les œufs, par exemple, à part, avant de les incorporer. Donc ça peut être bien. Donc la farine, le sucre vanillé, on fait le petit trou au milieu et nous allons ajouter maintenant les liquides. Donc là, on peut ajouter du beurre fondu. En premier, ceci dit, ne vous prenez pas la tête plus que ça. Si jamais ça rate, c'est pas grave. Vous prenez le plongeur à soupe, vous allez me mixer tout ça. Vous prenez une passoire, vous allez enlever les grumeaux. Mais non, c'est pas grave. Donc vous rajoutez tous les liquides et vous laissez reposer. Pourquoi ? Le temps que l'amidon absorbe le liquide, ce qui nous donnera des crêpes plus onctueuse, voyez, plus moelleuse. Ensuite, on divise la pâte à crêpes et on va mettre les fameux colorants. Donc encore une fois, si vous craignez ce genre de colorants, prenez-les en poudre, prenez-les bio, aucun problème. Même la betterave pour faire du rouge. Évidemment. Voilà, du curcuma pour faire du jaune. Mais enfin là, le curcuma avec le dessert, pour faire le vert, c'est moins pas bon, terrible. Hein. Ouais. Alors, vous allez évidemment prendre une poêle bien chaude, comme d'habitude, faire vos jolies crêpes. Je peux vous dire que ça, c'est un carton avec les enfants. Oh, carton absolu. Ah ouais, le bleu schtroumpf, on s'est lâché. Et alors ensuite, comme il me restait un petit peu de chaque, écoutez, j'ai tout mis dans la poêle et j'ai fait une crêpe multicolore. Mmh. Alors, on va prendre chaque crêpe. On va mettre, alors là, pour le coup, vous pouvez la mettre, votre confiture. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, ce que vous le souhaitez. Ensuite, à l'aide d'une petite roulette, vous allez faire des grandes bandes pour rouler chaque partie. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous n'avez pas roulé la crêpe d'un coup et découpé ensuite en petits boudins ? C'est moins commode, je suis sûr. Eh bien, ça écrase surtout la pâte à crêpes. Donc, du coup, ce n'est pas joli du tout. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de passer sa petite... Finalement, j'ai pris la découpe des pizzas. Vous savez, la roulette, voilà. Vous avez vu l'astuce. Ensuite, pourquoi pas mettre soit du sucre en poudre, soit des petites décorations multicolores que l'on met sur les gâteaux. Encore une fois, c'est extrêmement ludique parce que c'est ça la Chandeleur, c'est se faire plaisir aussi en famille, faire participer les enfants, rouler, disposer toutes ces petites choses colorées. Je peux vous dire que ça marche très bien. Ensuite, on prend chaque petit boudin, si j'ose dire, on les met au centre d'une assiette et on va décorer l'ensemble. Vous pouvez rajouter des fruits frais. Là, j'ai mis quelques petites groseilles. Ah, vous avez fait tomber une. Oui, vous avez vu, mais c'est un tombé artistique. Et vous allez rajouter ensuite de la petite déco. Alors ça va, des petites billes colorées au sucre glace et vous avez un joli dessert qui en plus se mange avec les doigts. Et vous êtes éclatée là. Je me suis éclatée, ça se voit, j'adore. Ouais. Bon, voilà. Ça a l'air sympa ça. Oui, c'est très sympa, vraiment ça fait son effet. Bon, ça fait son effet, on vous demande pas lequel. Merci pour les un couleurs. Effet Allez, ça